rappelle, hein, la vainqueur de ce match pourra rencontrer Pauline Parmentier en demi-finale. Si toutefois elle se qualifie contre Kerf, la Belge. Encore une balle prise dans les pieds et on est à 2 points de la première manche pour Laura Postio. Début de match compliqué pour Chloé Paquet. Et ben ça fait 3 balles de 7 max. 3 balles pour remporter cette première manche. Laura Postio qui est bien mieux dans son début de match. Poisson dans l'eau ici à Moulin, cet espagnol. Ouais, c'est très bien joué, c'est très bien joué. Elle relance bien alors que ça avait extrêmement bien servi de la part de Chloé Paquet. Mais après sa relance, elle sait mettre un coup d'à 4. Elle sait varier son jeu, hein, faire un rond, faire un chip, taper à plat. Et c'est une première manche facilement gagnée pour l'Espagnole Laura Postio sur ce premier quart de finale du Wave Open 57. Et début de ce deuxième set, dans ce premier quart de finale, on le rappelle, entre Laura Postio et Chloé Paquet. Chloé Paquet qui est 7e joueuse française. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, hein, Chloé Paquet a été connue du grand public l'année dernière puisqu'elle a passé un tour à Roland-Garros. Et cette année, elle avait fait 3 sets contre Pauline Parmentier sur 2 jours, on le rappelle. Deuxième manche, au service. Allez. Ouais, c'est bien joué. Va falloir qu'elle rentre tout de suite dans le terrain et qu'elle rentre tout de suite dans son deuxième set. Pour pouvoir faire la différence. Ah, tu le disais tout à l'heure, Lionel, hein, Laura a un ascendant psychologique sur Chloé. Puisque Laura Postio a gagné 3 fois en 2014 contre Chloé Paquet et à chaque fois sur des scores assez significatifs, hein, 2 fois en 2-7, mais à chaque fois sur terre battue. Donc là, sur une surface dure qui a priori va mieux à Chloé, on risque d'avoir quand même un deuxième set un peu plus accroché. Oui, ça dépendra de la capacité à Chloé à faire moins de fautes parce qu'elle met évidemment beaucoup d'impact dans sa balle, mais elle fait trop de fautes, elle continue de faire de la faute. Ouais, ça joue bien, ça varie, ça chip. Laura utilise beaucoup le court croisé. Et puis Chloé est grande, hein, donc elle a parfois du mal à se déplacer, plus de mal que Laura en tout cas.
Ah, voilà, et c'est ce qui doit lui permettre de recoller au score parce que Laura fait en effet des ronds, hein, on appelle ça des ronds en tennis, et elle peut pas enchaîner comme ça trois ronds parce qu'elle va se faire punir. Et en fait, au premier set, elle ne parvenait pas à mettre ses balles dans le court, Chloé, donc ça posait un vrai souci. Ah, Ouais, c'est bien joué. c'est bien joué, c'est vrai, parce qu'elle monte à contretemps. C'est pas une joueuse qui monte naturellement au filet, c'est plutôt une joueuse de terre battue, Laura Pustio. Et là, elle joue extrêmement bien, très intelligemment. Elle met un rond, derrière, elle monte à contretemps. Et puis, elle vient sur une volée liftée, eh bien, terminer ce premier jeu. Et elle mène déjà 6-1, 1-0 dans ce premier quart de finale. On sent Chloé fatiguée aujourd'hui, Chloé Paquet, qui n'arrive pas à poser son jeu. Elle se laisse entraîner par l'expérience de Laura, qui va lui faire voir les quatre coins du court, que ce soit en chip, en lob. Elle fait tout. C'est à peu près ça. Alors, est-ce que la soirée partenaire d'hier a un Sûrement. rôle sur la fatigue de Chloé? On l'a vue extrêmement active sur la piste de danse. Bon, elle s'est couchée assez tôt quand même, hein. Elle a été raisonnable. On l'a vu très tôt s'entraîner ce matin sur les courts de la Saussaie. Elle est plutôt l'air en forme. Allez, on sait que vous nous suivez en ce moment même sur Facebook. Pas beaucoup de monde dans les tribunes hein, parce que bah, tout simplement il est 13h, 13h30 à Que peu les gens près. sont en train de manger. Exactement. La tente VIP est remplie C'est bien joué ça, Chloé. d'invités. Et en tennis, malheureusement, bah, les gens ils aiment bien manger d'abord avant de voir du tennis. Donc on est sur une première partie avec des tribunes un peu clairsemées. Ouais, Puis les ça gens va se restent à l'ombre quand même, hein. On en voit derrière les tribunes. remplir tout au long de l'après-midi. Avec ce beau programme qui, je vous le rappelle, nous amènera à avoir joué Francesca Schiavone à 18h ce soir. Et puis, dans la foulée, eh bien, notre tête des séries numéro 1, qui est Pauline Parmentier, qui jouera vers 19h30. Entre les deux, nous aurons la Bulgare, Elitsa Kostova, qui affrontera la joueuse locale qui a été formée ici à Moulins-lès-Metz, qui s'appelle Priscilla Hayes, pardon. Donc un beau programme. Allez, on se remet dans le match. Un partout dans ce deuxième set au service Laura Pustio. Ouais, c'est bien joué ça, c'est puissant. Finalement, elle prend la puissance de la frappe de Chloé pour s'appuyer dessus. C'est exactement ça. Elle contre et elle fait à peu près ce qu'elle veut aujourd'hui, hein. Bien servi. Service extérieur, c'est sa spécialité depuis le début du match. On voit que Laura ne s'est pas ajustée. Fente avant pour faire son revers à deux mains. Donc ça ne pardonne pas. Mais c'est rare. Elle est quand même extrêmement bien sur ses jambes. Très bien placée. Extrêmement bas. Et elle contre. Et la voilà. Un chip.
Et elle se remet dans le point. Et c'est elle qui finit. C'est très très bien joué hein, parce qu'elle recule de 3-4 mètres de la ligne de fond de court. Et puis derrière, dès qu'elle a l'opportunité, elle remonte. Et là, elle conclut le point. C'est le même schéma de jeu depuis le début du match. Hein. Elle pousse Chloé à la faute et dès qu'elle a une balle facile, elle rentre dedans. Ah, c'est un très bon match de Laura Pustio qui domine cette partie vraiment de la tête et des épaules depuis le début. Commence à faire très chaud hein, aussi sur ce court central. On sait que Laura elle est habituée à ça. Hein. Alors Laura c'est une joueuse qui habite dans les Pyrénées espagnoles. Elle est beaucoup en déplacement évidemment comme toutes les joueuses professionnelles, mais elle aime bien retourner chez elle et puis aujourd'hui elle a limité en effet ses déplacements sur le circuit pour pouvoir se consacrer un peu plus eh bien, à son pays, à sa famille et puis je dirais à son environnement en Espagne. C'est une joueuse qui a 34 ans maintenant, Laura, 33 en tout cas, elle est plutôt sur la fin de sa carrière et qui va s'orienter vers le coaching. C'est une joueuse qui est extrêmement intelligente, qui a une panoplie dans son jeu comme on le voit qui est très très vaste, qui a très bien joué en double aussi dans sa carrière puisqu'elle a gagné 9 titres sur le circuit ITF et puis elle a gagné 20 titres ITF en simple et notamment le tournoi de Sao Paulo notamment. Donc un très très beau palmarès. Ouais, c'est une joueuse qui a beaucoup joué hein, les 4 tournois du Grand Chelem. Elle a jamais forcément passé beaucoup de tours. Mais en tout cas, elle les a toutes faites et toutes dans le tableau final. Ouais, c'est bien retourné. Il va falloir qu'elle passe un peu de première balle, Chloé, si elle veut faire la différence dans ce deuxième set. Allez, 15 as, c'est bien servi, je vous l'avais dit, il faut qu'elle passe des premières balles, si elle veut faire la différence sur ses jeux de service. C'est court, ça fait la différence, hein. Vous voyez, dès qu'il y a une balle courte de Laura Pustio, Chloé saisit l'opportunité pour venir finir au filet. Allez, 35. Lionel, est-ce qu'on peut dire que Chloé est une espoir du tennis français à 24 ans? Oh oui, elle a encore une belle carrière devant elle. Elle a une attitude vraiment professionnelle, elle est suivie par la fédération et puis elle a eu souvent des wild cards comme cette année en Grand Chelem. Donc c'est quelqu'un qui est redescendu bien sûr un petit peu puisqu'elle est passée de la 180e place à la 300e. Mais bon, on sait qu'une carrière n'est pas faite d'une courbe linéaire. Donc Chloé, elle a tout à fait les capacités, le physique, on le voit, elle est grande, puissante à arriver peut-être même un peu plus tardivement dans le top 100, voire mieux. Une femme intelligente qui s'entend bien avec toutes les joueuses françaises. On a une chance de l'avoir en Fed Cup un jour alors. Pourquoi pas. Il faut gagner ce point Chloé pour recoller à deux partout. Ouais, le roi joue en variation quand il faut accélérer pour mettre la pression sur un point qui est important, hein, puisque c'est un point qui donne une balle de deux jeux partout. Mais elle sait le faire. C'est pas qu'une contreuse. Allez. Un retour.
tout raté de la part de Laura et deux jeux partout dans cette deuxième manche. Alors voilà, ça va se jouer maintenant. Est-ce que le match va se rééquilibrer ou est-ce que Laura va continuer de jouer aussi bien et donc en variation et en faisant faire des fautes à son adversaire? Ça va se jouer maintenant, là ça se joue généralement au cœur du deuxième set. Ouais, c'est un peu long. Allez, il faut se remettre dedans, faut mettre la balle dans le terrain. Elle limite cette balle. On n'est pas sur la ligne max. Hein. Non, on n'est pas très mal placé par rapport à cette ligne. Oui, c'est bien retourné ça. Il faut qu'elle prenne des risques, il faut qu'elle y aille, elle est menée 6-1 dans le premier set, il faut qu'elle se détache dans le deuxième. Elle sait mettre l'impact qu'il faut, donc il faut qu'elle y aille. Très bien joué de la part de Laura avec beaucoup de variations en court croisé sur revers, sur coup droit derrière. C'est très très bien joué. Elle le fait beaucoup ce coup depuis le début du match. Hein. Et dès lors que Laura va jouer court croisé, ben, on voit Chloé en difficulté et derrière elle perd le point. Je sais pas ce qu'elle fait là, mais c'est bien joué, c'était tendu. Je suis pas certain que ce soit ce qu'elle voulait faire au départ, mais la balle n'a pas beaucoup rebondi. C'est une surface qui est toute neuve, donc elle est très abrasive. Donc pour un coup en dur, on est plutôt sur une surface assez lente. Alors aussi autant que possible, puisque c'est quand même du dur. Mais pour du dur, c'est plutôt lent. Allez, il est important ce point. Et encore un court croisé et derrière ça dépose la balle. Quel talent, quelle intelligence, c'est une fille qui est redoutablement intelligente. 40 ans, c'est bien joué ça. Chloé Paquet pousse l'Espagnol à la faute et c'est ça qu'il faut faire pour prendre l'ascendance sur ce deuxième set. Ouais, c'est bien joué ça. Et tu l'avais dit Lionel, hein, le jeu là il était important pour prendre l'ascendant dans ce deuxième set. Et ça fait 3-2 et break pour Chloé Paquet. Voilà, c'est un jeu important parce qu'on est au cœur du deuxième set, c'est ce que je disais, c'est le moment où le match peut basculer. Et là elle a su saisir sa chance. Et c'est plutôt de bon augure pour la suite de ce match et du spectacle qu'elle nous donne.
Et il va être important ce jeu de service, hein. Il va falloir qu'elle passe les premières balles. Allez, 15-0 avec Chloé, des premières balles de service. Allez, 35-15, c'est bien servi. Eh oui, elle a confirmé son service. C'est bien joué, Chloé. Allez, il va falloir serrer le jeu dès maintenant sur le service de la Roi Poustio. Tu l'avais dit, Lionel, hein, qu'elle allait revenir dans la partie. Ouais, j'avais surtout dit que ça se jouait en effet à 2-2. C'était le moment pour pouvoir faire basculer le match. Elle l'a fait pour l'instant. Mais c'est uniquement pour l'instant. Il n'y a qu'un break. Ah, on la voit, elle fait un peu plus de fautes, Laura, sur ce deuxième set. Une grosse faute là. Un baduf, on Un appelle ça bon chez nous. baduf. C'est ta spécialité, celle-là, Lionel. C'est vrai, parfois même ma balle rebondit avant dans mon propre camp. Ping-pong. Ou paddle. Ouais, tu vois, deuxième faute de filet. Fébrile, ces Espagnols. Je crois pas non qu'elle soit fébrile, mais Non, non, Laura a non. terminé assez tard aussi hier. Chloé rentre dans son tournoi aujourd'hui, elle s'est un peu entraînée simplement. Peut-être qu'il y a une petite fatigue, hein. Il fait très chaud, même si Laura a tout à fait l'habitude de ces chaleurs-là. Oh là là, c'est bien joué encore une fois, un point gagnant. Allez, encore deux balles de break, de double break pour Chloé Paquet. Et voilà, il y a plus de fautes de côté de Laura Poustio et ça permet à Chloé Paquet de faire un double break dans ce deuxième set et de mener 5 jeux à 2. Peut-être un match qui ira donc au troisième set. On va en profiter peut-être pour représenter les joueuses, puisque vous nous avez rejoints depuis peu de temps, et puis on n'était peut-être pas avec vous au début du match.
Donc on a une opposition entre une joueuse espagnole qui s'appelle Laura Pustio, qui était 72e à la WTA et qui est aujourd'hui à 6 000 numéro 40 en France. Elle est sortie du circuit WTA il y a 1 an et demi et elle se consacre à une dizaine ou une quinzaine de semaines sur le circuit uniquement maintenant. En face d'elle, Chloé Paquet. Chloé Paquet, une joueuse française, 23 ans. Elle a notamment joué 2 fois Roland-Garros en 2 ans. Hein. On le rappelle, en 2017, elle avait passé un tour dans ce tournoi. Et cette année, ben, elle n'a pas été gâtée par le tirage, puisqu'elle a joué au premier tour contre Pauline Parmentier, qu'on connaît très bien ici. Un match en 2 jours, 3-7. Elle était à 2 points du match. Elle a failli créer la surprise. Et puis finalement, elle s'est inclinée. Et c'est une joueuse brillante, de par son talent et de sa sympathie, en dehors et sur le terrain, toujours souriante. On l'aime bien ici. C'est vrai, numéro 7 française, Chloé Paquet. Elle va servir pour le match et pour égaliser à une manche partout. Assurément plus de fautes de la part de Laura Pustio dans ce deuxième set. Elles n'ont pas beaucoup joué ensemble. C'est ce qu'on dit quand il y a une opposition sur le même set, très forte entre deux joueuses. Là, on a un premier set à l'avantage de Laura et un deuxième complètement à l'avantage de Chloé. Allez, on sait, vous nous suivez les gens des bureaux en direct sur Facebook, puisqu'on voit vos commentaires. Loïc est là, Pascal est là également. Cyril. La bouqueterie de Moulins-les-Metz également. Ouais, c'est bien joué. Allez, ça fait deux balles de 7 pour Chloé Paquet pour égaliser à 1-7 partout. Geoffrey aussi nous vient de nous rejoindre sur ce live. Allez, encore une balle de 7 pour recoller à une manche partout. Allez, Chloé, il va falloir rentrer une première balle là. Bien servi. C'est pas grave, c'est une belle prise de risque. Elle doit jouer comme ça. C'est comme ça qu'elle pourra gagner ce match. Merci Loïc. Deuxième balle de service. Un retour dans le filet. Elle s'effondre sur ce retour. Et du coup, un nouveau baduf. C'est déjà le troisième. Hein, ça fait peu sur une durée. On en fait beaucoup plus tous les deux, nous. Bien évidemment. Surtout quand tu me joues. Allez, un set partout. C'est bien, c'est bien pour le spectacle. On a beaucoup de monde maintenant qui arrive sur le site de Moulins-les-Metz, beaucoup de monde qui déjeune aussi sous l'attente des partenaires, l'attente des invités.
Et on est ravis de voir un troisième set entre ces deux joueuses qui sont en plus hyper sympas, qui s'entendent très bien en dehors du court. Elles se sont pas beaucoup jouées parce qu'il y a 10 ans d'écart entre les deux. Mais on vous le rappelle, dans les trois oppositions, eh bien, c'est à chaque fois Laura Pustio qui a gagné. Elle a gagné sur terre battue, c'est trois fois. Et c'était les trois fois en 2014. Donc, Chloé n'avait que 19 ans à l'époque. Elle commençait tout juste sa carrière professionnelle. Elle, on le rappelle, 23 ans, 300e joueuse mondiale. Elle a été 180 au meilleur de sa forme. Mais elle promet un bel avenir. Et on va bientôt, on espère en tout cas, l'avoir au meilleur niveau. Elle le disait encore récemment, son objectif c'est de rentrer dans le top 100 sur la saison prochaine et puis regravir encore un échelon et arriver dans le top 50. Et c'est possible parce qu'elle a le physique, les intentions, l'attitude d'une professionnelle. Elle a déjà fait de bons résultats sur le circuit. Donc son avenir lui appartient à Chloé Paquet. Allez, c'est parti dans ce troisième set. Laura Pustio au service. On va peut-être voir une nouvelle briquette, parce que c'est vrai qu'on peut appeler ça briquette plutôt que badu. Alors qu'est-ce qu'une briquette, Lionel? On va les laisser jouer et puis je t'explique juste derrière ça. Magnifique retour. Ça y est, Chloé, elle a dompté ce court central et elle commence à mettre plus d'impact, ce qui gêne évidemment Laura. C'est bien retourné. Oui, magnifique. Magnifique coup droit de décalage. Et on le voit, elle est en confiance hein, dans ce troisième set. La Française. Une briquette. La voilà la briquette. La voilà la fameuse briquette. Une double faute ici au Waves Open 57, ça s'appelle une briquette, Max. Très bien. Elle rentre plus de première balle hein, depuis ce jeu de service. Et une deuxième briquette de suite, ce qui fait premier jeu pour Chloé Paquet et premier break dans ce troisième set. Comment ne pas commencer un set aussi bien, Lionel? C'est étonnant ce match parce que ça s'est retourné complètement. Au moment où j'avais dit que ça se retournerait d'ailleurs, c'est quel vrai. Talent. Putain, quel talent, tu quel sens le boulard aussi. T'as un sacré bon boulard. Mais en effet, talent. Ça s'est joué à 2-2 dans le deuxième set et puis là on a un schéma complètement opposé. Avec plus de prise de risque de la part de Chloé, plus de fautes de la part de Laura, et ça défile très vite, puisqu'elle vient de prendre un 5-0. Elle est un peu longue celle-là. Il y a surtout plus de longueur dans les balles de Chloé. Elle joue court Laura là. On voit ses balles passent pas le carré de service. C'est une petite faute directe quand même. 15 ans. Elle en a pas fait beaucoup là depuis le début du deuxième, Chloé.
Ouais, bien joué Laura, c'est une belle variation à nouveau là. Elle monte à contre-temps pour finir à la volée. 15-30. C'est pas son jeu habituellement. Sur la ligne cette balle, très bonne longueur. Et attention à pas se faire débriquer dès le début de ce deuxième. Ce troisième set, Maxime. Exactement. Ah, c'est mieux servi. C'est bien retourné quand même. Ouais, un retour un peu un à l'arrache retour de réflexe. La part de Laura, mais qui est efficace. Ça retombe juste derrière le filet et puis voilà, elle débreak. Elle n'est pas morte, Laura. En fait, Chloé a juste un peu plus mal servi. Un peu moins bien servi et ça se rééquilibre. C'est le premier jeu que Laura marque depuis un bout de temps parce qu'elle avait pris 5 jeux d'affilée. Peu de chance, il en faut. Elle en a de la réussite dans ce début du deuxième. Tu vois, dès que ça joue loin, Chloé repart dans ses travers du premier set. Allez. Bien servi. Et derrière, le point gagnant. C'est étonnant ce match parce que ça bascule d'un côté, puis de l'autre. Puis là, on sent qu'on est à un tournant, à un nouveau tournant. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de set accroché, c'est soit l'une soit l'autre. Début du troisième, on se disait que Chloé allait enchaîner. Et finalement, là, on voit sur les trois jeux qui suivent, Laura qui est bien devant. Et à ce moment précis, on se demande comment Chloé va pouvoir gagner ce match. C'est un peu réducteur. Ouais, je suis pas super d'accord. Je pense que pour l'instant, ça s'équilibre. Mais en fait, elles font des fautes d'un côté ou de l'autre. Ouais. Il n'y a pas trop de points gagnants là en ce moment. Ah, c'est bien retourné. Voilà. Ouais, c'est bien joué sur retour de service. Chloé Paquet qui rentre dans la balle, elle a pas peur. Allez, un partout, 40-30. Ça vient finir au filet. C'est beau, c'est pas fini. Allez, très joli point, bravo. Beau point. Elle sait monter au filet hein, quand même, Laura. Elle sait finir ses points en montant au filet, en montant dans de bonnes conditions, en envoyant un revers long de ligne là comme elle le fait, et puis derrière dégager un chip pour venir finir. C'est bien joué. Très intelligente, Laura Pustio. Ça s'équilibre vraiment. Deux jeux à un dans cette troisième manche. Et il fait de plus en plus chaud. Il fait de plus en plus chaud sur les cours de la Saussée et de plus en plus de monde qui arrive sur le site et qui reste un peu à l'ombre parce que il fait une chaleur épouvantable. Et tu le disais juste avant, pour rebondir à ce que tu as dit Lionel, tu disais elle vient à la volée. Mais oui,
parce que c'est une très bonne joueuse de double à Aura Pusto. On le rappelle, elle a gagné 9 titres en double sur le circuit. Donc c'est une fille qui n'a pas peur de monter à la volée et venir finir les points. Et ça fonctionne dans ce quart de finale. On le rappelle, hein, 10 ans d'écart pratiquement entre les deux joueuses. Chloé Paquet, 24 ans. Laura Pusto qui va sur ses 34 ans. Et puis 20 titres en simple, on le disait pour Laura Pusto. 9 titres, tu viens de le dire, Maxime, en double pour Laura. Et seulement pour l'instant 2 titres pour Chloé Paquet. Son premier titre en simple en 2014 à Minsk. Et puis en double en 2017 à Hammamet. On joue aussi une finale à Tunis. Cette année, pour les paquets. Allez, c'est bien joué. Il faut revenir dans le match. Il faut passer les premières balles. Allez, Chloé Paquet, la française au service. 15-0. Bien servi. Ça. Dès que la première balle elle passe, ça fait la différence. C'est important, Lionel, chez les femmes, le service. Hein. On sait bien que chez les hommes, c'est une force, mais chez les femmes aussi. Hein. C'est important parce que évidemment ça donne un coup d'avance, hein, comme on le sait sur le tennis. Et puis Chloé, elle a un physique qui lui permet de servir très fort. Et donc de lui donner un vrai avantage. Et là, on voit qu'elle met de nouveau plus d'impact. Elle sent qu'on est de nouveau à un tournant de ce match. Il faut qu'elle s'accroche. Et elle fait un très bon jeu de service. C'est incroyable hein, ce match, il n'y a pas de jeu accroché, c'est soit l'une, soit l'autre. Il n'y a pas de débat. C'est vrai, des jeux assez courts, on va rarement à l'avantage. Ouais, c'est bien retourné. Elle est maline cette Laura, qu'est-ce qu'elle est maline. Elle est capable de jouer tous les coups du tennis, c'est vraiment une fille très intelligente. Qu'est-ce qu'elle a un beau toucher. Tu le disais tout à l'heure, c'est son jeu de terre battue qui fait qu'elle a un beau toucher comme ça, mais même sur une surface dure, c'est beau. Bien joué, Laura. Ça sortit à ça. Pas bien placé, pas bien ajusté. Elle souffle, Chloé. Elle doit être un peu émoussée quand même. Allez. Encore une balle pour recoller à deux partout. Bien servi. Alors voilà. Là, tu as ta réponse, Maxime. Tu vois, le service, ça peut servir. En tennis féminin, elle vient d'envoyer une balle à près de 180 km/h. Mais on le voit, hein, dès lors qu'elle passe sa première balle de service, ça fait la différence hein, contre Laura Pusto. À nouveau, un jeu qui va être très important, comme dans le deuxième set. Un jeu qui va permettre d'orienter cette troisième set. Allez, ça monte à la volée encore. Oui, c'est bien joué, Chloé, bien défendu. Derrière, elle prend sa chance. Et on voit, ça fait la faute. Et elle sert le point, Chloé. La santé encore pas très réveillée sur ce premier set. Je pense qu'il y avait quand même des prémices de la soirée d'hier soir. Je pense que je ne raconterai rien. Tout ce qui se passe à Moulins-les-Mestes reste à Moulins-les-Mestes. Allez, on se reconcentre. Ça va encore au filet, c'est bien joué. Elle vient chercher les points au filet depuis tout à l'heure. On voit qu'elle a adopté une autre technique. Elle a vraiment une fantastique main. Volée de revers amorti. Une grosse faute de la part de Laura parce qu'elle avait très bien servi extérieur comme elle sait le faire. Elle s'ouvrait toute la partie gauche du court. Et elle met sa balle dans le couloir. Ça va se jouer maintenant. C'est
Bien retourné. Ouais, c'est bien retourné. Ça frappe fort. Allez, balle de break. C'est maintenant pour la française. Ouais, c'est bien joué. Elle sert bien à l'extérieur en particulier, elle s'ouvre le court, elle le fait assez fréquemment, mais comme c'est très bien placé, pas forcément puissant, mais bien placé, eh bien c'est très emmerdant pour la fille qui est à la relance. C'est bien servi. Avantage, mademoiselle Pustio. Voilà. Attention, il faut vraiment fléchir. Elle est grande, hein, Chloé, donc elle doit faire des efforts. Quand cette surface-là, elle est encore une fois très abrasive, donc la balle rebondit pas forcément très haut et il faut descendre vraiment sur les jambes. Et là, elle fait une faute importante dans l'orientation de ce troisième set, puisque c'est maintenant Laura Pustio qui mène 3 jeux à 2. J'espère qu'elle va pas regretter cette opportunité de breaker au bon moment dans ce troisième set. Alors on sait que Chloé, elle est capable de vraiment d'exploits, hein, puisqu'elle est capable d'envoyer vraiment des frappes très très fortes. Elle avait gagné son premier tour, tu le disais, de Maxime en 2017 face à Kristina Pliskova, c'était à Roland-Garros. Et elle s'imposait sur un score de 6-7, 6-2, 6-2 à l'époque, c'est-à-dire qu'elle est capable sur une fille dans le top 50 d'envoyer 6-2, 6-2 dans les deuxième et troisième manches. Elle s'était ensuite eh bien, inclinée contre Caroline Garcia. Et elle avait fait 7-5-6-4, donc un match quand même accroché. Et cette année, tu l'as dit, eh bien, elle perdait contre Pauline Parmentier un match d'anthologie sur 2 jours, arrêté à cause de, eh bien, du tombé de la nuit. Et elle avait perdu au troisième set contre Pauline. Allez, 3-2 pour l'Espagnol, service clos et paquet. C'est important de passer les premières balles. Qu'elle arrive à finir quand elle monte à la volée, c'est bien joué. En effet, elle prend l'avantage, puis derrière, elle se fait de nouveau contrer. Elle a bien failli perdre ce point. Il faut qu'elle arrive à utiliser la puissance de son service et de son saut en coup. Cette deuxième frappe est très importante. Attention à cette deuxième balle dans un moment important. Le vent se lève, hein, sur Moulin. En réussite, la française. Ouais, c'était un point important. 30-15, c'est pas la même. Allez, on va dire que c'est sa puissance et ce petit coup de vent là qui a permis de donner 3 balles de jeu pour recoller à 3 jeux partout. Allez, 3 partout dans cette troisième manche. C'est bien, Chloé. Alors Stéphane, si tu nous entends, c'est vrai qu'on dit qu'il y a de plus en plus de monde, pas forcément encore sur les réseaux sociaux, parce qu'on n'a pas énormément communiqué sur cette opération, on est plutôt sur un match test, mais il y a de plus en plus en plus de monde autour du cours. Autour du cours, Et puis exactement. il y a toujours autant de monde sous la tente, en train de manger les bons déjeuners de chez Marco Tullio. C'est Exact. aussi important. Il voit à la fois du tennis et puis il déguste les mets préparés par Alain Marco Tullio.
pour avancer dans le terrain. Ah, elle a aussi elle a un peu de chance parce qu'elle joue court. Son attaque elle est très courte, donc elle pourrait se faire contrer. Mais Laura avait reculé beaucoup derrière sa ligne de fond de cours et elle n'a pas pu contrer comme elle voulait le faire. Allez, c'est pas grave, 0-15. C'est bien joué, c'est bien servi, c'est bien suivi dans le terrain derrière. 15 à. C'est bien joué. Deux coups d'attaque successifs par Laura. C'est pas son schéma de jeu habituel, mais elle prend sa chance. Ah, il va falloir être solide sur le retour de service si elle veut faire quelque chose dans ce troisième set. On le dit souvent, le septième jeu, c'est le plus important. Et on y est. 30-15. Ça joue très, très long des deux côtés. Chloé avait envoyé un gros coup droit qui a atterri sur la ligne de fond de court. Et puis là, de nouveau, elle contre Laura. Et cet échange a duré assez longtemps en ayant des balles très très longues. C'est court encore. Ah, elle s'en sort bien. Ça sort encore. 41. Allez. Égalité. 3 partout dans ce troisième set si vous nous rejoignez dans ce premier quart de finale du Waves Open 57 entre Chloé Paquet et Laura Pustio. Laura Pustio au service. C'est bien touché. Ah, c'est dommage, elle était dessus. Ouais, c'est dommage d'avoir remonté ces quelques points pour au final faire des fautes directes. Faut se remettre dedans, pas faire la faute là. Allez. Ouais, tu vois, deux fautes directes. Ça pardonne pas. Septième jeu, ce fameux septième jeu. On va voir si tu as raison. À l'avantage de l'espagnol. On peut vous rappeler un peu le programme de cet après-midi ici sur le Waves Open 57. Avec à 18h une opposition fracassante entre Francesca Schiavone et la jeune française Léa Tollet. Et puis en match vedette ce soir à 19h30, évidemment, la tête de série numéro 1 de ce 9e Waves Open 57, Pauline Parmentier, qui sera opposée eh bien, à une française également.
pardon, une belge, je fais une erreur. Elle sera opposée à Déborah Kerfs, qui est assimilée numéro 30. Donc Pauline Parmentier contre Déborah Kerfs. Allez, c'est reparti. Chloé Paquet au service. Il faut qu'elle serre le jeu. Il faut qu'elle envoie des premières balles. Allez. Un petit vent de face qui vient de se lever. Et on voit qu'elle a quelques difficultés à ajuster son lancer de balle. Là, Laura prend tous les risques. Elle a raison, elle a raison. Elle mène 4-3, elle peut faire le break sur ce jeu-là. Elle prend tous les risques, c'est pas son jeu d'habitude, Maxime. Non. Mais là, on voit qu'elle a vraiment envie et elle envoie vraiment du lourd en retour. On va voir. Hein. Voilà, c'est bien servi, ça s'est bien servi, Chloé. 15 à. Imparable, elle sert couloir, très fort, plus de 180 km/h. Voilà, une grosse première balle. C'est fou ça, Laura elle joue pas du tout son jeu, elle attaque vraiment dès la première frappe de balle. Elle essaie de jouer dans un registre très court et ça lui réussit plutôt bien. C'est bien joué, c'est bien joué. Elle prend sa chance, Laura Pustiot. Elle se donne deux possibilités de faire le break au meilleur moment dans cette partie. Et ça fait deux balles de break. Ah, il va falloir sortir des premières balles, Chloé. Elle m'a écouté. Et elle vient finir, c'est parfait ça. Bien joué. Allez, c'est maintenant, Chloé. Hein. Il faut vraiment serrer le jeu. Sinon, ça va être compliqué. Allez, une seconde balle. Elle va jouer encore côté coup droit normalement. Et ben non. Bien joué, Maxime. Un expert du tennis. Ouais, c'est bien joué. C'est bien joué. 40 à. Elle a mis de l'intensité, Chloé. Hein. On voit qu'elle a fait un peu exploser Laura qui finalement part boisée. On y est là sur le tournant de la partie. Allez, il est important celui-là. C'est bien servi, un ace. Super. Come on, Chloé. Ça y est, c'est elle toujours, m'a entendu. C'est toujours surprenant quand les Françaises envoient des come on. Alors moi, depuis, quand je joue au tennis, eh ben, je lance des come on aussi. Des come on et des bamos aussi, t'envoies-toi. Comme ça, ça fait croire qu'on est bon. Et qu'on connaît Roger. Et c'est pas du tout le cas. Ouais, c'est bien joué, elle prend sa chance, mais elle a raison. Elle a raison, c'est une deuxième balle qui vient un peu haute. Elle rentre dans le terrain, elle prend sa chance. Et 40 à. Allez, il est important celui-là. Voilà, ouais, c'est bien servi. Elle tire comme ça, il peut rien lui arriver. Mais elle a un pourcentage de première balle de service qui n'est pas suffisant. Sinon, elle se mettrait moins en difficulté. Voilà, super, voilà, super, bravo parfait. Chloé, très bien servi, elle a enchaîné au moins 4 premières balles de service sur ce jeu, elle a mieux servi parce que Laura a pris sa chance, elle retournait bien. Et là on y est, là, on a une vraie opposition entre les deux, c'est plus un match avec des fautes, on a une fin de match qui est super intéressante. Exactement. Allez, à la fin de ce match, on enchaînera en plus
sur d'autres rencontres avec un double. Mais on n'y est pas encore. Restons concentrés sur ce match. Allez, il faut pas faire de faute sur les retours. On se remet dedans. Deux fautes de suite. C'est un peu long. Il faut pas donner. Hein. Il faut pas donner à Laura parce que on n'a pas besoin de ça. Elle relance très bien. Elle contre très bien. Donc si en plus on lui donne des points, les jeux défilent. On entend beaucoup dans cette fin de troisième set Chloé s'encourager hein, sur toutes les balles, sur tous les points. Qu'elle le gagne ou qu'elle le perde, elle dit quelque chose. Oh 45. Allez, 45. Et ça fait 5 jeux à 4 dans ce troisième set pour Laura Pustio. Elle utilise bien ce court croisé là à deux mains. Elle va chercher bien devant elle. Et puis elle met en difficulté sur les déplacements latéraux, Chloé, puisque encore une fois elle est grande, hein, donc c'est plus compliqué pour elle d'être agile comme ça. 5 jeux à 4 pour l'Espagnol. Et on le rappelle, hein, cet après-midi, ceux qui nous écoutent et qui veulent venir voir le match de l'équipe de France sur le complexe du tournoi, c'est possible puisqu'on a mis en place cette année un écran géant où on regarde l'ensemble des matchs de la Coupe du Monde, puisque c'est un tournoi de tennis, mais on aime bien le foot. Et les filles, elles aiment bien aussi, elles ne voulaient pas jouer pendant le match France-Uruguay, donc on n'a pas programmé de match. Et elles pourront, avec tout le public et les organisateurs, eh bien, suivre ce fantastique match de l'équipe de France à 16h. Allez, mais place au tennis encore sur cette fin de match avec Chloé Paquet au service. Toujours l'importance de passer ses premières balles, Maxime. Ah, exactement, on l'a vu hein, sur ce troisième set. Dès lors que Chloé passe ses premières balles, ben, Laura Pustio est en difficulté derrière. Allez, première balle de service, c'est bien servi. Et on le voit, ses balles courtes et derrière ses points gagnants. C'est bien joué, 15-0. Laura, elle est 3 mètres derrière sa ligne. C'est un peu loin. Tu vois. Elle est un peu loin. Mais on le voit, quand Chloé passe ses premières balles, c'est quand même plus facile. Hein. Elle prend l'ascendant dans le jeu. Derrière, c'est Laura qui défend. Elle recule. Et puis souvent, elle perd le point. Ça passe. Tu vois, dès qu'elle avance dans le terrain, Chloé en difficulté, tu l'as dit, vu au point d'avant, elle était 3 mètres derrière la ligne. Là, elle rentre un peu dans le terrain et ça gêne la Française. Allez, 35, ce point est important. Ouais, super. Bien servi. Elle sert mieux, Chloé. Elle sert mieux depuis deux jeux. C'est ce qui va peut-être lui permettre de recoller dans cette rencontre et de retourner la victoire pour elle. Il suffit que je dise ça pour qu'elle fasse une première balle dans le filet. Et ça avance derrière. La réussite là, elle a fait un énorme bois. Oh. Elle est bonne. Allez.
Ouais, c'est bravo, magnifique. bravo, magnifique, très joli point. Point particulier, hein, elle défend avec un énorme bois là, qui retombe sur la ligne de fond de court. Et puis Chloé qui renvoie une balle d'attaque assez sympa, qui est contrée par Laura. Et puis elle a des jambes quand même, Chloé. Hein. Elle a Elle a été des chercher jambes. cette amortie. Elle s'est fait pousser par le public quand même. Il faut le dire. Alors, on est quasiment à 1h30 de match. 5 partout au troisième. Attention à bien passer les premières balles, même du côté de l'Espagnol. Gros retour, mais pourtant bien contré derrière. On a l'impression que tout est facile pour Laura Postiau. Elle sue à peine, c'est vrai. Elle se déplace avec légèreté et elle contre et elle varie. Et même quand elle frappe dans la balle, elle a le sourire. Bravo. Ça va, il vient de jouer. Bravo, ça c'est son schéma de jeu à Chloé. Il faut vraiment qu'elle aille chercher ce coup droit là de décalage. Ah, dommage. Ça prend la bande du filet, pourtant ça partait bien. Ça aurait pu faire un magnifique passing longue ligne. Ouais, c'est bien servi. Ah oui. Elle l'aime bien, hein, ce service extérieur là. Sur le 45, revers de deux la balles française. de jeu pour mener 6 jeux à 5 dans cette dernière manche. C'est bien joué, Magnifique, parfait. magnifique. Extrêmement bien anticipé cette montée de Laura Pustio et lobée donc par Chloé. Très joli point. Mais encore une balle de jeu contre elle. Allez, on sert le jeu, Chloé. Allez. C'est bien joué. Elle prend sa chance, c'est fort. Chloé, elle a un doute là. Elle va regarder la ligne. Logiquement, une fois que l'arbitre annonce, hein, il ne revient pas sur sa décision, sur ce Non, genre de surface en tout cas. c'est vrai. Mais on a aussi des marques, malgré tout, sur cette surface, puisqu'elle est neuve. Donc, quand l'impact est fort, ce qui était le cas, eh bien, ça laisse une marque au sol et les joueuses préfèrent aller voir. Et elle n'a pas trop râlé, Non, donc je pense je pense qu'elle a été bonne qu'elle aussi. était bonne cette balle. Allez, vous nous suivez en direct sur la page Facebook. Et c'est l'Espagnole Laura Pustio qui vire en tête dans cette troisième manche. Elle mène 6 jeux à 5. On vous rappelle que si Chloé venait à égaliser 6 partout, eh bien il y aurait un tie-break. Un tie-break puisque nous sommes sur le circuit national des grands tournois et donc il n'y a pas eh bien, deux jeux d'écart dans le troisième set. Ce qui signifie que Chloé vraiment doit recoller et ensuite se concentrer sur un exercice pas facile, le tie-break dans la troisième manche. Bien joué, Chloé. 15-0. Elle a pris sa chance, faut qu'elle monte plus souvent comme ça au filet en montant un contretemps. Dommage parce que son service était bien à nouveau, elle sert mieux.
Allez, 35 pour Chloé. Il faut recoller maintenant, hein. Elle n'a pas le choix de toute façon. Pour aller chercher le tie-break dans cette troisième manche, elle doit recoller à 6 partout. Il faut envoyer du lourd en première balle. Et elle le fait. Elle le fait, elle envoie une grosse première balle, il y a eu un bon retour. Mais ça la met en position de domination dans l'échange. Et derrière, souvent, quand elle passe sa première balle, eh bien, elle gagne le point. 45, 2 balles d'égalisation à 6 partout. Eh bien, on va avoir ce tie-break, Maxime. Ce premier tie-break au troisième set dans un quart de finale au Waves Open 57. C'est un beau match. Hein. C'est un très beau match. Et tu vois, on l'avait dit sur les deux premiers sets où c'était à sens unique. Eh bien, on s'est bien trompé sur ce troisième. Et pan. Allez, 6 partout. Il va falloir retourner tout de suite dans le terrain. Il est important ce premier point du tie-break. Retourner. Allez. C'est ça Chloé, c'est exactement ça, il faut prendre ta chance. T'es plus forte en puissance, t'envoies vraiment du lourd au service maintenant, il faut prendre sa chance, il faut avancer. Allez, on va voir si dans la tête, elle est là, c'est les premières balles qui vont être importantes, on le dit, on le répète depuis le début de ce troisième set. Ah ouais, c'est bien servi. Ah, elle joue bien Laura aussi. Hein. Allez, un point partout. Enfin, je le redis, qu'est-ce qu'elle est intelligente, qu'est-ce qu'elle varie, qu'est-ce qu'elle est capable de jouer avec les effets. Tu l'as dit, beaucoup dans ce match qui a été intelligente. Mais tu as pas tort. Allez, 2-1, c'est bien servi. Allez, deux services maintenant pour Laura Pustio. Deux jeux à un dans ce tie-break pour la Française Chloé Paquet. C'est un peu long. C'est très long. Ouais, elle sait accélérer. Hein. C'est pas seulement une contreuse. Quand elle doit prendre sa chance, elle sait accélérer, Laura. Elle sait tout faire. Allez, ce point est important. Il va falloir rentrer une première balle si l'Espagnol veut virer en tête dans ce tie-break. Je crois que j'ai un concours de cris là sur le juge de ligne. Il va gagner, lui. Hein. Ouais, je pense qu'il va avoir le trophée. On fait de la corde vocale en moi. Point disputé. Allez. Ah, et le voilà, le run. Bien joué, Chloé. Elle a mis de l'intensité. Et elle finit par gagner ce point et faire ce mini break dans le tie break pour mener 3 points à 2. Et elle a 2 services à suivre. Allez, 3-2 pour la Française. Bonne première balle. Et comme c'est souvent, bien joué. C'est bien joué. Comme souvent, quand elle passe sa première balle, elle se met en facilité dans le point. Très expressive hein, dans ce troisième set. Dans cette fin de troisième set, la Française, le point serré, les dents grinçantes. J'ai pas entendu les dents grincer. Je les ai entendues. Mais j'ai vu le point serré. 4 points à 2 pour Chloé Paquet dans le tie-break du troisième set. Qui de ces deux filles va se qualifier pour la demi-finale et avoir potentiellement la chance d'affronter Pauline Parmentier? Vous le saurez, à mon avis, dans quelques minutes. Une grosse première balle de nouveau. Oh, Laura, c'est énorme ce qu'elle fait. C'est bien joué.
C'est Et ça suit énorme. Elle était derrière. 4 mètres derrière sa ligne de fond de cours. Et elle contre. Et derrière, elle enchaîne. Et le mini break est effacé, Maxime. Et on essaiera d'avoir les impressions de l'invainqueur de ce match en direct sur Facebook juste après. C'est touché ça, c'est bien touché. 4 points partout avec une main incroyable de Laura Pustio. Un beau toucher. On sait qu'elle a cette main, notamment au filet, mais sur les amortis aussi. On rappelle, c'est une joueuse spécialiste de terre battue normalement. Ah, il va falloir tenter sa chance, Chloé, sur ce retour. Elle le Et fait. Elle y va. Elle le fait. Elle le fait. Elle le fait. Elle envoie. Elle envoie la patate. Il le fallait. 5 points à 4. 5 points à 4. Mini break again. Allez, celui-là est important pour s'offrir deux balles de match dans ce quart de finale. Ah, bien servi, c'est bien servi. Elle sert le point. Elle sert le point, elle est contente, évidemment. Elle a retrouvé son service au bon moment. C'était limite. Et c'est gagné. Bravo, quel match, quel match. Superbe match. Le public ici est debout vraiment pour féliciter les joueuses. Chloé, elle rigole, elle s'apprécie beaucoup les deux, elles se font un bisou, voilà. Et c'était un gros match, pas très long, parce que finalement, elles n'ont pas beaucoup joué ensemble, il y a eu beaucoup de fautes. Mais sur la fin de cette partie, on a vu une très très belle opposition. Chloé Paquet, bravo Chloé. On aura peut-être l'occasion de revivre eh bien, le remake de ce premier tour de Roland-Garros qui opposait Pauline Parmentier à Chloé Paquet, puisque encore une fois Pauline Parmentier jouera ce soir, Pauline Parmentier pardon, et elle jouera contre une joueuse belge, Deborah Kerfs, et en fonction de ce résultat eh bien, elle pourrait affronter dans la première demi-finale Chloé Paquet demain après-midi sur le central dans quelques minutes, puis il y aura une pause à 16h pour qu'on puisse tous se retrouver autour de l'écran géant pour encourager la France. On va essayer d'avoir Chloé avec nous au micro pour lui demander ses impressions. C'était la première fois qu'elle jouait à Moulins-les-Metz. Elle a eu un match très difficile contre une jeune femme qui est chez elle ici, qui est vraiment une jeune femme charmante, qui a un talent incroyable et qui sait tout faire. On l'a vu avec sa raquette, même si elle est spécialiste de terre battue au départ. Laura Pustio est une grande championne. Elle va rentrer chez elle en Espagne, dans les Pyrénées espagnoles. Mais elle nous aura fait un grand tournoi à nouveau en 2018. Et on félicite Chloé Paquet qui, encore une fois, se qualifie pour les demi-finales. C'est la première à se qualifier pour ces demi-finales de l'édition 2018, la 9e édition du Waves Open 57. Et je vois Maxime qui vient tranquillement avec Chloé pour nous rejoindre et nous donner ses impressions après ce match qui a été vraiment extrêmement disputé, en particulier dans cette troisième manche où on a vu une manche à sens unique pour Laura dans la première, une manche à sens unique pour Chloé dans la deuxième, et puis une opposition très forte entre deux filles qui était l'une puncheuse qui a retrouvé son service et puis l'autre qui a essayé de contrer encore, et puis avec sa main et le talent qu'elle a, elle l'a beaucoup embêté Chloé Paquet, même si on savait que Chloé était plus puissante. On est ravis de la retrouver à nos côtés et on va lui mettre le casque tranquillement. Voilà, elle devrait nous entendre. C'est bon. Parfait. Et puis elle va en direct nous livrer ses premiers ressentis. Elle est évidemment encore en transpiration. Mais d'abord, bravo Chloé, c'était top. On a vu un super match, notamment un super troisième set. Tu as mis beaucoup d'impact dans tes balles. Tu as retrouvé ton service au bon moment. Tu as sorti des premières balles qui t'ont bien aidé. À chaque fois que tu passais cette première balle, eh ben, ça te permettait de prendre l'avantage dans le point. Et puis voilà, on est ravis de t'accueillir sur cette première édition du Waves Open 57 pour toi. Ben merci beaucoup. J'aurais été frustrée si le niveau de jeu était comme le premier. J'aurais été vraiment déçue d'être venue et de jouer comme j'ai joué sur le premier. Après, Laura a fait un
je pense, un super premier set. Franchement, elle m'a vraiment étonnée. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue jouer. Je sais qu'elle a arrêté le circuit, mais qu'elle elle reste très, très affûtée parce qu'elle fait pas mal de matchs par équipe. Et elle a fait un super premier set. Et donc, il a fallu vraiment s'accrocher. Et comme tu as dit, voilà, mon service est un peu revenu et ça m'a énormément aidée. Voilà, je commençais avec pas mal de doubles fautes et au final, je crois qu'il n'y en a plus trop dans les deux derniers sets. Et un troisième set, vraiment très accroché. On a très bien servi toutes les deux. Il y a eu très peu de balles de break. Et donc, ça s'est joué à l'arrache, à la bagarre, quoi. Je suis contente de m'en être sortie. Non, c'est vrai, c'était super. Laura était au départ un peu chez elle parce qu'elle vient ici depuis bien longtemps. Elle connaît ce cours parfaitement, même s'il a été refait. On l'a dit, il est plus lent que les autres cours. Mais Laura, bon, connaît bien. Elle est dans un environnement familier. Toi, c'était ton premier match. Et on voit maintenant que tu as dompté ce cours. Tu as pris le temps pour bien connaître l'environnement. On est ravis de te retrouver peut-être contre une opposition connue, contre Pauline Parmentier en demi-finale, puisque si Pauline passe ce soir, eh bien, elle jouera en première rotation probablement demain contre toi. Voilà, sympa de retrouver Pauline, mais ici sur dur. Ouais, vraiment sympa. Voilà, c'est sûr qu'on a fait un super match à Roland sur terre, mais là, de se retrouver sur dur, ça va être la première fois que je la joue sur surface un peu plus rapide. Donc, j'espère qu'elle va gagner ce soir, en tout cas, je lui souhaite. Et j'espère la retrouver voilà, demain pour un beau match. Bon, voilà, et puis sans pression, parce qu'on n'est pas à Roland-Garros, hein. On n'est que à Moulins-les-Metz sur le Waves Open 57, on est entre amis, ça se passe très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Va faire ta récup, et puis ouais, on est ravis de t'avoir eu sur ce match, et puis ravis de te voir demain. Merci. Et allez les Bleus surtout. Ah ouais, allez les Bleus, on va aller voir le match tous ensemble. Merci les amis, merci. Bye bye, à bientôt, ciao.